Bonjour les amis, ici Serge Demoulin dans le sud de Tenerife. Une belle journée ensoleillée comme d'habitude ici dans le sud de Tenerife. Vous savez, je vous l'ai déjà dit si vous avez regardé mes vidéos précédentes, Tenerife c'est le meilleur climat du monde. Donc beaucoup de gens veulent venir vivre ici, mais la question est vivre de quoi? Eh bien, le marketing sur Internet est certainement la meilleure méthode que je conseille aux personnes qui cherchent un business rentable. Et comment trouver un business rentable? Eh bien, ne cherchez pas l'idée géniale, ne cherchez pas quelque chose qui n'existe pas. Cherchez plutôt des business qui existent et essayez de vous mettre dans ce même business. Si vous regardez les smartphones, par exemple, je suis en train de faire cette vidéo avec un smartphone, et il y a quelques années, les smartphones, ça n'existait pas. Ça a démarré avec Steve Jobs, avec Apple. Et vous pensez qu'ils sont les seuls sur le marché? Non. Vous savez bien que Samsung, par exemple, et d'autres marques se sont mis sur ce même marché, malgré que les iPhones, c'était Apple qui avait le monopole de ce marché. Et maintenant, ils sont vraiment en concurrence avec d'autres marques. Donc ne pensez pas que parce qu'un business existe, vous ne pouvez pas vous mettre sur ce marché. Au contraire, si un business existe, ça veut dire que vous pouvez réaliser des ventes, vous pouvez faire le même type de business, faire quelques modifications, essayer même de faire mieux que le leader, mais au moins vous aurez une garantie en vous mettant sur ce marché-là qu'il y a des clients, que vous pouvez vendre ça, que ce soit des services physiques ou des services virtuels. Vous pouvez très bien arriver à vendre des produits sur un marché déjà existant. La concurrence n'est pas forcément négative. La concurrence, ça vous donne un signe que c'est un marché qui fonctionne, sur lequel vous avez beaucoup plus de chances de réussir que sur un marché qui n'existe pas. Je vois l'erreur de la plupart des gens, c'est de chercher une idée. Donc chercher une idée, surtout n'en parler à personne, et puis se concentrer sur cette idée-là. Alors que peut-être que vous allez tester 10 idées, qu'il y en a 9 qui ne vont pas marcher, mais que la 10e va fonctionner. Le gros avantage d'Internet, c'est que ça ne vous coûte pas cher de tenter quelque chose. Si vous faites un business en dur, vous allez devoir louer un local, vous allez devoir l'aménager, vous allez devoir investir dans du stock, vous allez peut-être devoir passer des heures à être dans ce business-là, pour vous rendre compte que finalement, ce n'est pas un bon business. Vous aurez dépensé de l'argent, vous serez endetté et vous n'arriverez peut-être à aucun résultat. Si vous devez faire ça une dizaine de fois, ça va vous épuiser et ça va probablement vous ruiner également. Alors que sur Internet, vous avez la possibilité pour 100 euros de créer un site web et de démarrer quelque chose, de voir si ça fonctionne et peut-être qu'à la première fois, la deuxième fois ou la troisième fois, vous aurez un grand succès, vous arriverez à vivre de ce business-là. C'est donc ce que je vous conseille. Moi, je vis de mes revenus sur Internet depuis plus de 10 ans. Je dirais que c'est facile si on veut, mais il faut quand même avoir une certaine connaissance. Donc, si je vous conseille cela, c'est parce que je peux vous aider à réaliser cela. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube. Inscrivez-vous au lien sous ma vidéo et vous verrez que c'est pas si compliqué que ça et que tout le monde peut y arriver. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la, partagez-la et j'espère vous retrouver dans une des prochaines vidéos que je vais réaliser. Si vous voulez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo, vous avez une petite cloche ici en dessous de la vidéo qui vous permettra de recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt et tenez-moi au courant si vous démarrez. À bientôt, au revoir.